Je m'appelle Florent Mattet, ça fait une dizaine d'années que je fais de la photographie et depuis le début, principalement orienté urbain, graphisme, l'humain dans la ville et la ville au sens large quoi. Principalement couleur, même si cette fois-ci j'ai gagné sur une série noir et blanc, ce qui est cool aussi. C'est une série a posteriori, dans le sens où ces quatre photos sont assemblées. Dans l'idée du concours pour compétences photo, mais elles ont été prises à des années d'intervalle en fait. Il va y en avoir une à Hong Kong, une à Besançon, une à Paris et une à Los Angeles. Donc les quatre sont vraiment dans des villes différentes. Et c'était juste, j'ai composé la série en noir et blanc, déjà pour changer un peu de la couleur, et parce que je trouvais qu'elle se répondait bien. Et elle correspondait bien à ce que je voulais montrer, la sensation de l'humain, qui n'est pas forcément une entité très importante dans l'image, mais quand même bien présent, soit en ombre, soit tout seul, mais toujours intégré dans le décor de la ville, un peu écrasé quoi, par la hauteur du truc. Je trouve que c'est quand même un terrain de jeu un peu inépuisable en termes d'architecture, de point de vue, de graphisme, de reflets, enfin tout ce qu'on veut. Moi je m'emmerde en nature quoi, vraiment. Après je dis pas que j'aime pas y être, mais mon œil est complètement paumé en pleine nature et en ville. Moi je trouve ça vraiment intéressant de me balader dans une espèce de dédale. C'est un peu, je sais pas, on est limite dans un jeu vidéo, des fois on a l'impression que ça a pas de sens la ville, en termes de ça monte, ça descend, il y a des passerelles partout, enfin je trouve ça vraiment amusant, je trouve ça beau quoi. Passé du réflexe au Leica M, un Leica M7 donc argentique depuis 2007 et du coup toute la série là elle est au Leica et je photographie plus qu'avec ça et j'ai aussi acheté un moyen format un peu plus récemment là, pareil un Mamiya 6 donc un 6-6 argentique et vraiment l'argentique c'est cool, c'est posé, moi ça me convient bien à part pour certaines petites contraintes techniques. Genre les hautes sensibilités, des choses comme ça, où forcément là, il y a un net recul par rapport au numérique, mais sinon je me sens bien, c'est cool de redécouvrir sa péloche 3 mois après, qu'elle est restée dans l'appareil, parce qu'on n'a pas photographié beaucoup, et il y a des bonnes surprises, moi ça me convient bien. Plus le salon avance, plus il y a d'expos. Avant c'était vraiment que du matos, j'ai la sensation, et maintenant il y a quand même de plus en plus de choses à voir en termes de photos, donc c'est cool. Il y a toujours moyen de venir avec sa carte mémoire et de faire des tirages gratos. Donc ça c'est marrant aussi. Après pour le reste, tous les stands techniques, moi je suis pas trop dans la recherche de la nouveauté. Donc c'est sympa de regarder quoi, bon, c'est marrant. C'est l'ambiance quoi. J'ai pas de projet parce que je fonctionne pas au projet. Enfin le projet c'est plus des fois un projet de voyage. Je me dis là je vais aller dans telle ville et je vais y aller pendant 2 semaines et je vais la défoncer. Et je vais faire une série sur cette ville ou sur ce pays ou alors sur ce trio de villes, enfin voilà, comme j'ai fait l'année dernière pour les États-Unis. Donc des fois, ça peut être ça un projet, mais c'est genre le projet des congés payés de l'été quoi. C'est pas vraiment un projet photographique en soi. Moi, j'ai pas de discours quoi. Je vais en ville, je m'amuse et à l'issue, au fil des années, finalement, les photos assemblées ensemble, elles ont une cohérence et C'est ce qui fait la cohérence de l'ensemble. Il y a peut-être un discours qui se détache, mais il n'est pas vraiment réfléchi ni voulu. Donc je peux pas parler de projet ou de délire à venir, je sais pas.